Bei den Filmtagen geht es natürlich in erster Linie um die Filme. Und Filme schauen, das macht ja eigentlich jeder gerne, egal ob in Frankreich oder in Deutschland. Aber wie? Das Streamen vom heimischen Sofa aus wird immer beliebter, ist ja schließlich auch echt bequem. Dennoch ist das klassische Kino noch lange nicht ausgestorben. Aber warum gehen wir eigentlich noch ins Kino? Weil es Spaß macht und weil die neuesten Filme eben sonst nicht verfügbar sind, wenn man es legal machen will. Devant son petit ordinateur 13 pouces, on voit pas grand chose au final et souvent les qualités sont pas les mêmes. Man geht eigentlich eher wegen dem Ort hin als wegen dem Film. Es ist einfach eine andere Atmosphäre im Kino. Einen Film erlebt man ganz anders. Le fait d'aller voir sur un grand écran avec dans une ambiance et tout ça, c'est autre chose. Kino ist eben mehr als nur die Filme, die dort gezeigt werden. Es ist auch der Flair, der die Zuschauer immer wieder dorthin zieht. Wie viel Charme so ein Kino haben kann, schauen wir von Festival TV uns heute in einem von Paris Traditionskinos an, dem Grand Rex. Das Grand Rex wurde 1932 nach dem Vorbild amerikanischer Filmpaläste gebaut und ist bis heute eins von Paris bekanntesten Kinos. Mitarbeiter Franck Werner kennt das Kino ganz genau. Er leitet Führungen durch das Traditionskino, von dem er schon lange begeistert ist. On va pas au Rex comme on va dans une salle de cinéma, dans un multiplex banal. On va vraiment au Rex, c'est une sortie spectacle comme aller. Bah, les gens visitent le Rex parce que c'est quand même inscrit à l'inventaire des monuments historiques, donc c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre patrimoine. Le Rex, c'est très très connu. Quand vous voyez les décors du Rex, ça vous marque. Donc les gens aussi sont désireux de connaître un peu l'histoire du Rex, ainsi les coulisses de ce merveilleux cinéma. Das Grand Rex hat seine Besucher schon immer zum Staunen gebracht. Zur Zeit seiner Eröffnung war das Rex der Vergnügungsort in Paris. Alle Gesellschaftsschichten strömten in das Kino, in dem jede Schicht ihre eigene Etage hatte. Die gehobene Gesellschaft versammelte sich im ersten Stock, die Arbeiterklasse im zweiten. À l'époque, comme c'était la classe populaire et qu'il y avait beaucoup d'enfants, des personnes qu'on appelait vulgairement les sans-le-sous, eh ben on pouvait apporter son manger. Ah, oui. On peut apporter son manger, voilà, et c'est resté. Mm-hmm. Donc les fresques aussi sont protégées, sont classées. Hein. Ah, d'accord. Ouais. Alors là, on arrive à la cabine de projection, qui est à environ 30 mètres, comme vous avez pu le constater. Là. Uh-huh. C'est vraiment comme si on parcourait les marches pour accéder à un phare. Bon, la cabine de projection, c'est vraiment le lieu sacro-saint du Rex. Alors là, il faut savoir qu'ici, là où on est, il n'y a rien, il y a du vide. On est là, on est au-dessus du vide. C'est-à-dire que quand vous regardez le Rex, le bâtiment extérieur, il y a un désengagement de la cabine de projection. Oh mon Dieu. Ça fait une drôle de sensation quand même. Donc la légende veut que la cabine de projection a été oubliée par les constructeurs. Non. La légende. Après, c'est plutôt pour prévenir des incendies. Comme la cabine est vraiment en arrière, comme ça, à l'époque, comme la pellicule était flammable et que bon, il y avait des lampes, des ampoules pour les projecteurs, c'était plutôt pour protéger les spectateurs. Am Ende der Führung betreten wir endlich das Glanzstück des Rex, den Grand Salle mit über 2700 Sitzplätzen. Le balcon il fait 1260 places. Et donc ici, c'est vraiment rien que cet espace-là, c'est considéré comme la plus grande salle de cinéma en France. Ici, maintenant, pour le cinéma, on place les gens quand il y a un film qui est projeté en grand large. Alors qu'est-ce que c'est que le grand large? Le grand large, c'est un écran de 300 mètres carrés qui se déroule et il fait 25 mètres de large sur 12 mètres de haut. Mm-hmm. Donc quand vous êtes là, vous avez vraiment une impression vraiment immersive. C'est comme l'IMAX, quoi. Pareil que l'IMAX, c'est vraiment un écran, mais vraiment immense. Das Beeindruckende am Grand Salle des Rex ist aber nicht nur die große Leinwand. Auch die prunkvollen mediterranen Dekorationselemente und ganz besonders die Decke, die wie ein echter Sternenhimmel aussieht, laden den Besucher zum Träumen ein. Das Kino hat doch immer noch seinen ganz eigenen Charme. Und ist es nicht auch viel schöner, im stimmungsvollen Kinosaal die Erfahrung mit anderen zu teilen, anstatt alleine vorm Bildschirm zu gucken? Ich finde schon und kann nur sagen, vive le cinéma!